Pascal Grangeon, 1943-1968. Fœtus, dans le ventre de ma mère. J'éprouvais, dans cette longue période de sommeil léthargique et de contre-révolution permanente, l'étouffement de la cellule familiale qui, dans son empressement affectif et nourricier, anesthésiait tout mouvement critique, représentant ainsi à son échelle le système répressif d'une société totalitaire, qui, par un instinct de survie face au débordement de la jeunesse, se cramponnait à des valeurs périmées, destinées à maintenir sa domination. Bambin, au jardin d'enfants communal. Je réalisais le mardi après-midi lors de l'activité peinture que notre société, dans la représentation qu'elle se faisait d'elle-même et de ses ennemis, imposait des catégories idéologiques et esthétiques pour la compréhension du monde et de l'histoire, et qu'elle ramenait tout écart annonçant son dépassement à l'ordre naturel des choses, sans comprendre que la révolte de la jeunesse n'était en réalité que le signe avant-coureur d'une subversion plus vaste et le prélude à une époque prochaine révolutionnaire. Élève de l'école primaire du Bourgvoisin, je me sentais véritablement révolté par l'arbitraire inique de mon institutrice Mademoiselle Sauvin, qui, sans égard pour la laïcité républicaine, dont j'étais alors fervent défenseur, chouchoutait le fils comte de Lespinasse et reproduisait les schémas de classe dont elle était elle-même la victime objective. Collégien à l'intercommunal, je comprenais lors du partage inéquitable des frites à la cantine que d'une part, notre système démocratique était entièrement corrompu et que les valeurs égalitaires proclamées dans notre société occidentale ne formaient que l'apparence sécurisante de toute velléité contestataire et d'autre part, qu'il appartenait à une élite de propager une prise de conscience réformatrice qui aboutirait à une redistribution fondée des biens de consommation. Lycéens en ont motorisé à la ville. J'étais attiré par les blousons noirs qui sont le produit de l'ordre actuel, c'est-à-dire de l'urbanisme des grands ensembles, de la décomposition des valeurs, de l'extension des loisirs consommables, du contrôle humaniste policier étendu à la vie quotidienne. Mais je m'apercevais que leur refus ne laissait aucune chance d'échapper aux contradictions d'un système dont il n'était que le produit négatif, puisqu'il refusait le travail, mais acceptait la marchandise. Et je ne me suis donc pas acheté de mobylette. 1921-1982. Et pourtant, je lui avais bien dit au rejet du sapin. Du sapin, je veux du sapin au prix du chêne. Tu te rends pas compte, le chêne? En plus, ça me rappellera les Vosges. Le sapin et Gérard May, l'été 52 en deux chevaux avec le Gilles qui allait sur ses 3 ans et qui barbotait dans l'eau. Et nous, allongés sous les sapins, avec cette odeur de sapin et les aiguilles qui piquaient les fesses. Alors j'y tenais au sapin. Gérard May, c'était pas Saint-Trope, d'accord, mais qu'est-ce qu'on aurait été faire à Saint-Trope alors que là on avait les sapins? Et le Roger, si je lui avais pas serré les cordons de la bourse, jamais on n'aurait pu aller à Gérard May. Lui qui rêvait de Saint-Trope et des nichons qui se promènent à Saint-Trope, alors Gérard May, c'était déjà pas mal. C'est comme pour la deux chevaux. Si je n'avais pas dit maintenant stop, après le boulot, tu ne t'arrêtes pas chez la mère Pascale pour t'en jeter un petit dernier qu'à la fin les petits en font une grande ardoise, alors la deux chevaux n'aurait jamais pu se l'offrir. Et donc Gérard May, encore moins. Et le sapin non plus. Et lui, le Roger, dès que je lui tourne le dos, hop, il compte plus. Du chêne au prix du chêne, en plus la gaine en matière synthétique, alors que je lui avais bien dit, dans l'armoire au fond à droite, tu trouveras le linceul que j'ai brodé l'été 52 à Gérard May, vu que les sapins m'y avaient fait penser. Et lui, non gaine et chêne, a pas pu dire non. Un faible le Roger. Vu que je ne suis plus là, j'en étais sûre qu'il allait se faire refiler le plus cher, alors que je lui avais bien dit, du sapin. Juste du sapin. Du sapin! "1942-1992. Saleté de Klebs, à toujours venir dans mes pattes, à me lécher de tout partout. Saleté de Klebs, à pisser dans la maison et même à... Et le Roger qui disait rien, le Roger qui n'en avait que pour son Rex, qui mangeait à la cuisine avec nous, qui l'emmenait pendant que je nettoyais le lala de son clébard, qui m'engueulait quand je lui mettais une tatane à son Rex, qui dormait même dans la chambre, couche avec tant que tu y es. Je disais, mais j'avais prévenu, si tu te fais enterrer avec... Je fais tombe à part. Et vous voyez, j'ai tenu bon. Manifestants, repliés rue de Bussy, j'entendais au loin les nôtres crier « Fouché enragé! Libérez la Sorbonne !» Avec le pressentiment que le cocktail que j'avais fabriqué était mal dosé. Et effectivement, il explosa. Avant, je n'ai eu le temps de le lancer sur les forces mobiles, m'arrachant la main gauche, l'épaule en partie et surtout la tête.
Mort au cimetière communal. Je me rendais compte que la répartition topographique des tombes et l'ostentation ornementale des caveaux de la classe possédante reproduisaient les profondes inégalités sociales et que le fils Lespinasse reposait dans une somptueuse crypte exposée plein sud. Mais moi, ici, était trop coupé des forces vives de la société et de l'évolution historique de la conscience prolétarienne pour entreprendre une quelconque action révolutionnaire.